De l'usine, il ne reste rien, 1000 mètres carrés partis en fumée. Un terrible incendie qui aurait pu avoir des conséquences plus graves encore, puisque STI France est notamment spécialisée dans le chromage. Dans ce bâtiment, plusieurs produits toxiques, acide chromique, acide chlorhydrique, soude. Par mesure de précaution, la soixantaine de personnes habitant les maisons alentours a été évacuée, mais au final, pas de danger. Les services donc, du service départemental et nos spécialistes donc, en risque chimique font perpétuellement des mesures du réseau hydraulique et à l'heure actuelle, on peut dire qu'il n'y a pas de risque de pollution. La fumée n'est pas toxique, elle peut être dérangeante parce qu'il y a quand même des matières plastiques et autres qui ont brûlé forcément, mais elle n'est pas toxique. Reste une énorme perte pour l'économie de la région et 16 salariés au chômage technique, un coup dur pour l'entreprise. C'est très dur. C'est un site important, c'est un petit site d'une quinzaine de personnes. Mais par rapport à l'ensemble de nos prestations, c'est une prestation qui se situe au milieu. J'ai l'ensemble du CODIR qui est déjà arrivé. On va voir comment on va pouvoir continuer. Le feu a été maîtrisé aux alentours de 21h. Ce matin, quelques pompiers sont encore sur place pour surveiller les restes du brasier.